Tout le monde, c'est Cédric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2023 et aujourd'hui, on va parler du 9e épisode de cette saison 3. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu profiter des fêtes de fin d'année parce que ça y est, on est reparti pour une nouvelle année de diffusion, sur la chaîne YouTube et diffusion et de tournage sur la chaîne Twitch. À partir de cette semaine, on reprendra les tournages, bien sûr, dès le lundi. C'est parce que là, c'était un lundi férié. Aujourd'hui, de la Formule 1, bien sûr, à vous proposer avec le 9e épisode de ce Grand Prix du Canada. Pas grand chose à vous dire, mis à part que moi je suis très heureux de reprendre les tournages pour cette année 2024. 9e qualification de cette saison. Alors, je préfère préciser que du coup, la semaine prochaine, donc là, c'est parce que c'est un lundi férié. Donc, logiquement, on a pris notre lundi férié. Mais à partir de la semaine prochaine, on reprendra un rythme normal. À partir de cette semaine, du coup, on reprend un rythme normal avec les deux épisodes de F1. Attention! Et je préfère préciser, cette semaine, les épisodes de F1 seront tournés à partir de 14h. Pourquoi? Parce que à 13h40, il y a. Alors, on va essayer de tourner un épisode au matin, après la kiné, et on fera une pause entre midi et 2 pour que j'aille regarder ma série qui revient sur TF1. Je parle bien sûr de Plus belle la vie, et donc forcément, ça décale les vidéos. Les bonnes résolutions, elles ont été prises. Maintenant, il faut ce qu'on appelle se concentrer sur cette année. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Je n'ai toujours pas d'informations concernant la diffusion de courses automobiles sur F1 23. J'attends encore les retours de la personne qui m'a contacté il y a quelques temps, juste avant les fêtes. J'attends encore un retour. Comment s'est passée la reprise, hein, parce que j'ai repris au moment où je tourne cette vidéo ce matin. Donc la F1, ça va. En plus, on reprend au Canada, donc c'est plutôt compliqué de reprendre après un petit peu plus de 15 jours d'arrêt. Mais ça va. C'est la première vidéo tournée en 2024. En plus, le circuit il est court, donc ça devrait le faire, je pense. Ouais. Ah, le bruit du moteur en fin de ligne droite, c'est pas possible ça par contre. Meilleur temps de Valtteri Bottas. Hop, sur le mur. Pas du tout. Meilleur temps de Drugovic. Meilleur temps de Verstappen.
Heureux de te revoir sur la F1, bonne année. Heureux aussi de reprendre. Ah, dommage! Heureux aussi de reprendre la F1 cette année. Et il y en aura encore tout au long de cette année 2024. Bon, alors par contre, la reprise est un petit peu plus compliquée. Et puis, oui, effectivement, bonne année à toi aussi. Et puis, plein de bonnes choses pour cette année. Pour cette année 2024. Record du premier secteur. On n'a pas le choix de reprendre un tour. Hein. Ouais, non, mais on n'aura pas le deuxième secteur parce qu'on s'est complètement foiré. Donc, tout va jouer dans le dernier secteur. On va améliorer notre deuxième secteur, mais on va pas le prendre en violet. DRS activé. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Oh, le bruit du moteur en fin de ligne droite, c'est pas possible par contre. Ouf! Et ça va être meilleur temps juste devant Verstappen. Alors je serais curieux de voir les chronos. Hein. Je serais curieux de voir les chronos entre Max Verstappen et moi. Bonne année à toutes et à tous. Merci pour l'année 2023 qui a été riche en vidéos. On va refaire la même. On va essayer de faire la même, un petit peu plus de vidéos cette année. 337 vidéos tournées l'année dernière. On va essayer de faire plus de vidéos cette année. Je suis curieux de voir les chronos. Une 11, oh là, une 11 692, une 11 880. Oui, d'accord. Donc bon, il a le record du deuxième secteur en pour en 22,5 pour Verstappen, 22,566 pour moi dans le deuxième secteur. Alors, si je prends le. On va avancer un peu pour voir où se situe un peu tout le reste là. Ouais, je sais, c'est cool de me voir en live. Bah ouais, je sais. Mais bon, les fêtes obligent, il fallait que je prenne du repos pour pouvoir bien préparer 2024. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de Non! commencer, regardons rapidement qui Non! sont les premiers Non, pilotes sur la non, grille. non, non, Verstappen, Philippe non! et George Russell. Et Non! voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Ok, je me prends 7 dixièmes par Verstappen. Ok. Ok, je me prends 7 dixièmes par Verstappen. Je me prends 7 dixièmes par Max, ok. Bah moi je suis un grand fan de Max Verstappen, d'où le fait qu'il soit avec moi dans mon écurie. Une 11 839, une 11 692. Les chronos sont très très serrés entre George Russell, les McLaren et les Mercedes. Donc bon, bah voilà, c'est comme ça. Alors, petit point classement avant cette course, bien sûr. On s'était quitté au 8e Grand Prix. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur ma chaîne YouTube, je vous laisse aller le voir. Il est disponible. Il sort ce matin, je crois. Ouais, si, c'est ça. Il est sorti déjà. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Petit point classement. On a 35 points d'avance sur Max Verstappen. Max Verstappen qui a la possibilité de se rapprocher un peu plus et de croire en ses chances de titre. C'est... Ouais. C'est une autre génération, on va dire. Ah, on est plus, pardon, sur la génération des jeunes pilotes, Max Verstappen, Théo Pourchaire, enfin. Tous ces jeunes pilotes-là, ce qui m'embête un peu, et je l'ai déjà dit auparavant, ce qui m'embête un peu, c'est que bah, Théo Pourchaire, du coup, va devoir attendre pour avoir un baquet en Formule 1, parce que bah, là, c'est la
Le plateau 2024 ne change pas. Par contre, en 2025, ça risque de changer. Voilà. Donc, on verra. On verra, on verra. Le circuit Villeneuve, ok. Amélioration du bloc moteur. Ok. Merci, Mercedes. Ouais. C'est ça. Bah, après, ça dépend. Parce que si tu. Si, j'ai pas vu les dates encore de. Bonne question, mais j'ai pas vu les dates des présentations des monoplaces pour cette année 2024. Je crois que ça commence en février, un truc comme ça. Et du coup, je regarderai, je vous les donnerai lors du prochain live. Oui, et du coup, c'était une autre époque, plus dure à piloter. Aujourd'hui, les voitures sont tout autant difficiles à piloter, hein. Mais avec plus de facilité. Si tu te plantes sur la conception de ta voiture, tu peux être sûr que pour l'année à venir, ça va être compliqué. Exemple Mercedes, par exemple. Ah, mais normal que tout se casse la bouche. Ouais. Mercedes, ça fait quoi? 2 ans qu'ils sont. Un petit peu plus de 2 ans qu'ils sont sur une voiture compliquée. Donc. Après, on verra bien ce que ça donnera en 2024. Il est l'heure de reprendre la piste. On va Avant de revoir cette commencer, grille de jetons un coup départ. d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Philippe complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Russell, Norris, Oscar Piastri, Hamilton, Albon, Fernando Alonso, Leclerc, Drugovic, Sainz, Liam Lawson, Magnussen, Gasly, Zhou, Bottas, Sato, De Vries, Ocon, Sargeant, Tsunoda et Théo Pourchaire. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. C'est Ah une nouvelle course ça. qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Jacques Villeneuve. Jacques, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer quand nous les verrons aborder le premier virage? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. Ah ça, après, chacun a son pilote. Moi, je sais que ça restera Verstappen. Après, Hamilton, c'est un bon pilote, hein, c'est pas la question, hein. Mais pour moi, ça restera Verstappen. Parlons un petit peu de stratégie. Eh oui, parce que la stratégie veut qu'on en parle. 11 tours en gomme tendre. Donc, il va pas falloir attaquer trop sur la gomme tendre parce qu'on sait ce que ça donne sur les gommes arrière. Et 14 tours en gomme médium. Donc un petit peu plus de 29 minutes de course. Alors c'est parti. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix Oh est imminent. non. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur C'est aujourd'hui? reparti. Quelle stratégie s'avérera gagnante? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. Allez, on se replace sur la grille. C'est pas la première course de l'année 2024 puisque.
Départ plutôt compliqué. Oh là là! Désolé. Ouais, c'est quoi ce départ là? En fait, c'est pas normal que j'arrive pas à suivre Verstappen. Hein. Ok. Attention à George Russell. Entre 50 à 59-60. Et bon, après, je suis pas là non plus pour gagner toutes les. Course. Salut. Ouais, mais j'ai déjà essayé de rouler en 108. Non mais là c'est parce que je crois que je dois avoir des problèmes avec les pièces. Ah non ça va. Bon alors c'est Verstappen qui est trop rapide. 108 c'est beaucoup. Bah après 108 c'est beaucoup. Non je pense pas que ce soit beaucoup. Dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Non 50 c'est trop facile. 50 c'est trop facile, 50 tu risques de. Je risque de mettre au moins un peu de challenge. Après c'était le risque à prendre hein, quand j'ai signé Verstappen. C'était le risque à prendre. Hein. Là 3 secondes 7. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Des open lobby en ligne, oui ça m'arrive. Ça m'arrive, ça m'arrive. Pourquoi je reviens pas sur... Ah ce serait cool ouais. Pourquoi j'ai pas la même puissance moteur que Verstappen, tu m'expliques? Alors pourtant on est sur la même gomme, on a la même voiture, mais rien à kiffer quoi. Il y a absolument rien à kiffer. Ah, tu organises ça quand? Bah écoute, je sais pas, faut que je vois sur mon planning si j'ai de la place déjà. Ok.
record du premier secteur. Il faut voir qui serait dispo pour rejoindre. Alors pour l'instant, il y a un... J'en parle pas parce que... Il faut encore que... Ouais, le mur. Ouh, le mur. Ah, le Grand Prix du Canada, il est très compliqué. Hein. Non. Je te dis honnêtement, s'il y aurait eu un souci sur ma ligne Free, je pense que ce serait Free qui m'aurait appelé directement. Bah c'est en cours, mais il faut que je trouve quelqu'un pour qu'il... comment dire. Il y en a un qui est créé, mais il faut trouver quelqu'un qui puisse le développer en fait. Bah alors là, la réaccélération, très compliquée. Hein. Bon alors là, je... J'ai beau faire tout ce que je veux là. Ah, qui va aujourd'hui? Je pense que l'undercut sur Verstappen va pas tarder. Hein. Comment ça, Verstappen est plus rapide? Il y a eu une mise à jour ou quoi sur F1 là? Pas normal qu'il soit aussi rapide alors qu'on a la même voiture. J'arrive à garder l'écart avec, avec Russell, mais... Que j'ai complètement foiré mon départ. Hein. Complètement foiré mon départ. Entre ça et le téléphone fixe qui arrêtait pas de sonner. Ben, je crois vraiment que l'undercut là va... Va falloir qu'on le tente. Hein. Clairement, va falloir qu'on le tente. On est censé rentrer au 11e tour. Je pense que si on en rentre un tour avant, Verstappen, au bout d'un moment, Verstappen va avoir les gommes usées. Hein. Donc, à nous de voir ce qu'on fait. La bonne strat.
C'est maintenant qu'il faut la prendre. Le challenge. Oui, donc alors pour répondre à la question du serveur, bah, y en a un en fait. C'est juste qu'il faut que je lance, enfin faut que je le mette en place. Et pour ça, il faut que la personne qui doit s'en occuper soit dispo. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc vous inquiétez pas. Quand le serveur sera opérationnel, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. C'est l'objectif 2024. L'interaction dans le chat et l'ouverture d'un serveur. À 9 tours, on n'arrive toujours pas à revenir. Hein. Oh, l'état des pneus. Je suis pas à l'attaque pourtant. Oh, attention. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Essaye de m'envoyer un message sur Insta. Comme ça, je t'enverrai le lien du serveur au cas où. Au cas où. Bon, on va tenter un truc. Pas dit que ça marche parce que du coup Verstappen va vouloir bien rentre à la fin de ce tour. Va peut-être falloir Verstappen va vouloir plonger, c'est sûr. Verstappen va vouloir plonger, moi je vais devoir à un moment donné suivre je trouve pas les mots là. Sa stratégie, pardon. Et du coup, bah, la stratégie peut tomber à l'eau très rapidement. Hein. Complexe, c'est complexe, c'est très très complexe. Et le moteur Mercedes, c'est pas si fiable que ça. Hein. Attends, mais... Ok. On va tenter un truc. Verstappen continue. Ok, on rentre pour shooter la médium. Et maintenant... Notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Ils font un bon tour de sortie. On ressort juste derrière Carlos Sainz. Enfin, juste devant Carlos. Et maintenant, faut pas être gêné par ceux qui sont devant. La stratégie de l'undercut a été mise en place. Maintenant, faut voir. Faudrait pas être gêné par Drugovic. Après, de toute façon, Drugovic, lui, fait sa course, donc bon. Ok, DRS activé, peut-être. Ok. Infos à propos de Ocon. Ok, il a abandonné la course. L'abandon d'Esteban Ocon. Verstappen, toujours pas. Hein.
Attention, attention. Verstappen au stand. Verstappen est au stand. Est-ce que la stratégie va fonctionner? Retour à la normale. Oh là là là. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que ça va jouer en piste. Il est ressorti déjà. Il est ressorti déjà. Ok. Ah là là, mauvaise stratégie. Partie remise, attention à pas se louper. Et Hamilton, faut qu'il fasse mes affaires là. Voilà, merci Hamilton. Maintenant, tu peux me laisser passer s'il te plaît. Bien joué ça. Maintenant, c'est George Russell. Mais je crois que George Russell doit encore s'arrêter. Des restes Verstappen, il va falloir revenir maintenant. Des qui va m'aider un petit peu à revenir un petit peu sur Russell. Pas tant que ça, mais ça va m'aider à revenir un peu sur George Russell. Mais quel premier relais. Le premier relais, il est à oublier. Hein. Clairement, le premier relais, il est clairement à oublier. Il faut maintenant se concentrer, ce qui reste 12 tours. 12 tours pour aller chercher la victoire. Verstappen, lui, va se dire, attends, mais... Verstappen est passé sur Hamilton. George Russell ne s'est toujours pas arrêté. Ou alors il s'est arrêté mais on l'a pas vu. Tranquille, pas de stress. Bien ressortir si c'est pas là. Aussi ça va être là. Aussi ça va être là parce qu'on a le même moteur. On a le même moteur mais pas la même voiture entre les mains. DRS activé. Aspiration, collé contre le mur, et on passe sur Russell, pardon, avant de le freinage, mais attention, hein, Hamilton, Russell, pardon, va avoir une tentative de repasser. Faut tout protéger, voilà, ça c'est bien. Hein, quoi? Attends, mais il est où, là? Il est où? Pas du tout, en fait. Pas du tout, il y a eu un problème avec Russell. Russell s'est fait passer non seulement sur la ligne droite par moi du coup et par Verstappen. Allez, maintenant faut emmener cette voiture au bout. Seizième tour. Thank you.
Attendez. Petite pause, je reviens tout de suite. Alors, pour ceux qui se demanderaient, parce qu'il y a des nouveaux hein, sur la chaîne, pour ceux qui se demanderaient, pardon, pour ceux qui se demanderaient, je roule au volant. Donc, je roule au volant. Et je suis une personne en situation de handicap, ce qui fait que je ne peux pas accéder au pédalier comme tous ceux qui roulent au volant. Donc, toutes les commandes, sans exception, sont tous associées au volant. Par exemple, pour accélérer, j'utilise le rond et je freine avec la palette de gauche. Pour la MF, c'est la palette de droite. Pour appeler la radio, c'est carré. Pour regarder la caméra derrière, c'est croix. Enfin, tout est fait pour que j'ai aucun souci au volant. Attention à Verstappen, ce qui revient comme une balle là. Il va avoir le DRS Verstappen, non?
J'ai même pas su garder l'avantage que j'avais vers Verstappen. Je sais pas. Je sais pas si Richard est encore là. Pourquoi? J'ai même pas su garder. Non mais il est remonté comme une balle Verstappen là. Il est remonté comme un coucou. Attention, tu vas avoir le DRS. Hein. Verstappen va avoir le DRS sur cette ligne droite. Quelques infos au sujet de Russell. Sa monoplace a des soucis et va ralentir. Ce sera gentil de pas faire ralentir le combat avec Verstappen. Là, je commence à me faire des rides et me faire des cheveux blancs hein, parce que clairement si mon coéquipier commence à se battre avec moi alors qu'il est dans la même écurie que moi Welcome to back. Normalement, ça devrait aller, mais... Norris. Verstappen va avoir le DRS. Non, il n'aura pas de DRS Verstappen. Allez, on termine ce 20e tour de ce Grand Prix du Canada pour entamer le 21e. Il en reste 4. Il faut tenir cette victoire sur Verstappen. Pas d'erreur si possible. Essayez de bien prendre les trajectoires, bien ressortir des virages. Allez, prend tout dans le... Verstappen prend tout dans le premier secteur, donc il faut impérativement essayer de totalement se mettre à l'abri du DRS. Si vous n'avez pas vu les 8 premiers épisodes, je vous laisse aller les voir, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner si cela n'est pas un fait, parce que cette année, de la F1, vous allez en manger. Attention, on a tapé le mur, et Verstappen qui va être de plus en plus proche. Verstappen qui va être de plus en plus proche, il va falloir... Verstappen va passer. Hein. Non, Verstappen ne passera pas, attention à ce que ça se termine pas n'importe comment là entre les deux coéquipiers. Et Verstappen qui va forcer hein. Verstappen qui va forcer, on va essayer de garder ce qu'on peut garder.
Mais il est impératif de pas le laisser s'échapper là, Verstappen. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Jeff, c'est pas le moment. C'est pas le moment de me parler là. Oh, c'est pas possible. Ce moteur Mercedes là. Un peu plus de capital pneu que Verstappen, on dirait. Faut qu'on arrive à garder ce DRS sur Verstappen. Ah, ce moteur. Attention, attention à pas se mettre en porte-à-faux. On a eu le droit à un DRS, un flashback. Je rappelle que ces flashbacks illimités, on se limite à 3 flashbacks maximum. Final lap. Oh là là, il revient, mais alors comme une balle. Hein. À peu près 3 tours de carburant. Ouais, Jeff, c'est pas le moment. T'inquiète pas pour le carburant, on en aura largement assez pour terminer ce Grand Prix. Je ne vois pas comment il pourrait rattraper une seconde d'heure. Bah comme ça. En ayant la meilleure voiture du plateau, il faut tenir ses trajectoires, il faut sortir, bien ressortir, bien sortir des virages, essayer de freiner au bon moment, essayer de ne pas le faire trop espérer. On est dans le dernier tour, l'erreur n'est pas permis. Attention, parce qu'on est à un endroit où j'ai un peu de mal de temps en temps. Ah, Verstappen, il est bien proche là. Est-ce que ce sera une victoire de Verstappen ou est-ce que ce sera une victoire de moi? Genre, réponse à la fin de ce... Ah, bien ressortir. Il aura le DRS une dernière fois, Verstappen, pour tout tenter. Donc, ce sera fini.
pas de victoire de Verstappen, mais belle bataille en tout cas avec Max Verstappen. Attention, c'est pas fini. Victoire, mais belle bataille avec Max Verstappen. Vraiment super, c'est une belle victoire, bravo à toi. C'est la fin d'un autre splendide Grand Prix du Canada et nous avons assisté à une belle victoire aujourd'hui. D'après vous Jacques, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Voici le vainqueur du Grand Prix et ses deux dauphins qui rejoignent le podium. Ces trois-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Philippe renforce sa place de leader au championnat. Après cette incroyable course, qui choisissez-vous comme pilote du jour, Jacques Villeneuve? Pour moi, c'est Philippe. Passons à présent au constructeur. La plus jeune des écuries se hisse au sommet du classement. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui, qui monte dans le classement. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Et oui, donc rendez-vous sur le prochain circuit. Victoire aujourd'hui de Cédric, donc de moi, avec la Cédric F1 Team. Donc Cédric F1 Team remporte la course devant Max Verstappen. Ça s'est vraiment joué à rien du tout pour la victoire pour Max. Oscar Piastri complète ce top 3. Et derrière, on retrouve Lando Norris à la 4e place devant George Russell et Charles Leclerc à la 6e place. Lewis Hamilton termine 7e devant Albon, 8e. Fernando Alonso termine 9e devant Carlos Sainz, 10e. Et puis si on descend plus bas, on a toujours... on ne parle pas assez du bas du classement, mais on voit l'abandon d'Esteban Ocon. Au classement, on prend un petit matelas de confort, pas énorme non plus, mais un petit matelas de confort avec 43 points sur Verstappen et 100 points, un petit peu plus de 100 points sur Lando Norris. Et puis on retrouve Fernando Alonso à la 4e position devant Lewis Hamilton 5e. Piastri lui termine à la 6e position devant George Russell 7e. Sainz 8e, Albon 9e et Charles Leclerc 10e. Au classement constructeur, là il y a bataille entre Mercedes et McLaren, puisque devant on s'échappe clairement devant 351 points, 106 points, 166 points d'avance sur ce qu'on avait prédit. Je ne peux, comme je le disais, toujours pas vous dire s'il y aura une saison 4, puisque je pense qu'il y aura une saison 4, puisqu'on n'a que le My Team en mode F1, donc il y aura forcément une saison 4. Je sais pas si je sais pas combien il y aura de saisons. En tout cas, tant qu'on peut encore jouer à F1, on jouera à F1, quitte à gagner tout le temps, mais on jouera à F1. Ça, je peux vous l'assurer. Et puis, j'attends encore un retour pour
J'attends un retour de la personne qui m'a contacté juste avant les fêtes pour pouvoir commenter des courses de Formule 1. Et donc, vous allez en avoir beaucoup sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube et Twitch, du coup. Et puis voilà. Donc, McLaren est en bataille. Donc, 185 points à 179. Aston Martin, 4e devant Red Bull. Red Bull qui a marqué que 81 points. Donc, c'est pas énorme non plus. Et puis voilà, As AlphaTauri, Alfa Romeo et As n'ont toujours pas marqué le moindre point. Toujours en bataille avec Lewis Hamilton, pour l'instant ça se passe bien. Je rappelle qu'il faut être au niveau 25 pour avoir le dernier sponsor. Ok. Ça va être très important de remplir les objectifs des sponsors pour pouvoir faire rentrer de l'argent, parce qu'il va falloir prolonger ou pas Max Verstappen. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense que pour l'instant, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir prolonger Max Verstappen. Nous avons beaucoup épargné. Tu devrais investir dans nos infrastructures. Non. Pour l'instant. Il faut quasiment 12 000 pour prolonger Verstappen le Grand Prix d'Autriche. Donc normalement, je vais vérifier ça tout de suite avec vous, mais normalement, au Grand Prix d'Autriche, il y a une course sprint. Normalement. Et voilà. C'est ce que je disais. C'est bien ce que je pensais aussi. Donc. Donc. Alors, McLaren a le meilleur moteur. Pas pour longtemps. Alors, en termes R&D, vous vous doutez bien que là on va faire une grosse amélioration moteur, un gros setup moteur, mais pour l'instant il y a des améliorations. Il y a des améliorations moteur qui. Enfin, des améliorations. On a terminé l'amélioration du département aéro. On est à 24 sur 24. On a terminé le châssis également. On n'a pas encore terminé le moteur. Il va vraiment falloir qu'on s'y mette. Mais sur le moteur et sur la durabilité, il y a certaines pièces qu'on ne peut pas prendre pour le moment. Tout simplement parce qu'il faut être au niveau 3, au niveau des infrastructures. Et je n'ai pas les ressources et l'argent nécessaires pour pouvoir développer ces infrastructures. Puisque dans le même temps, on arrive à la fin de ce premier tiers de saison, puisqu'il y aura encore 12 grands prix à couvrir après le Grand Prix de Hongrie. On repartira en Belgique pour terminer ce deuxième tiers de saison. Mais pour l'instant, je ne peux pas me dire je vais investir dans certains départements, puisqu'il faut prolonger le contrat de Max Verstappen pour jusqu'à la fin de la saison. Ou dans quel cas, si on ne prolonge pas, et ça m'étonnerait très fortement qu'on se dise oh, on le prolonge pas et on prend un autre pilote. Là, on a un pilote qui est capable de 1 aller chercher des victoires,
capable de se battre avec moi, capable de me remettre un petit peu dans mes retranchements, comme on dit. Et puis voilà. Donc, à voir un peu. On m'a dit de passer la difficulté à 50. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je vois que c'est trop facile, je repasserai la difficulté à 55. Hein. Je préfère prévenir tout de suite. Donc, mes aides, donc on a dit 50%. Standard est élevé au niveau des fréquences de panne. Donc ça peut arriver à tout moment. Règle et drapeau. Donc vous voyez, drapeau, oui. Donc application des virages coupés, standard. Type d'arrêt au stand, alternative. Je pense qu'on va mettre diffusion, non? Ouais, on va mettre diffusion, ce sera mieux. Déploiement de la voiture de sécurité en augmenté. Et type de voiture de sécurité en diffusion. Tour de formation, oui. Tout est en diffusion, ce sera beaucoup mieux. Vous verrez beaucoup mieux ce qui se passera. Et puis voilà. C'est là-dessus donc que cette vidéo va se terminer. On se retrouve très vite, vous l'avez vu. 8 tours à couvrir en course sprint et 25 tours à couvrir en course longue. Donc ce sera donc jeudi pour ce qui est de la Formule 1. Je rappelle, sur Twitch, les épisodes sont tournés le lundi. Donc exceptionnellement, au moment où je tourne cette vidéo, on a un mardi puisque hier c'était jour férié. Mais normalement, les épisodes de Formule 1 sont tournés le lundi matin. C'est normal. Et puis, deux événements vite fait, je vous en parle vite fait, j'aurai l'occasion encore de vous en reparler. La chaîne YouTube fête aujourd'hui, cette année, enfin pas aujourd'hui, mais cette année, c'est 8 ans d'existence. Ça fait 8 ans pas 8 ans que je stream, ça fait 8 ans que la chaîne YouTube est ouverte. Au début, pendant 2 ans, je crois bien 2 ans, on a mis du slam, on a mis du chant, on a mis plein de choses. On a mis du chant et puis en avril 2018, je crois, on a commencé le stream. Au début timidement, au début on avait un ou deux followers qui venaient de temps en temps. Et aujourd'hui vous êtes très très nombreux à regarder, un petit peu moins sur les jeux d'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que voilà. Et puis je vous en reparlerai bien sûr en temps voulu, mais cette année on va essayer de faire plus de jeux sim racing, tels que Need for Speed, peut-être The Crew. Il y a The Crew aussi qui va arriver. Il y aura la saison 2 de Grid Legend, je cherchais le mot. Il y aura la saison 2 de Grid Legend. Il y aura des courses à commenter. Donc ceux et celles qui veulent rejoindre le serveur, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta afin que je puisse vous envoyer le lien du serveur Discord. Et puis quand il sera opérationnel à 100%, quand il sera fait et opérationnel, je vous mettrai le lien dans bio, que ce soit sur YouTube ou Twitch. On va se retrouver très vite en tout cas pour un nouvel épisode. Donc je rappelle, les épisodes sont tournés le lundi. Donc vous avez les épisodes tournés le lundi sur Twitch et donc les mardis et jeudis en retransmission sur YouTube. Le mercredi, ça restera FC24, ça ne change pas. On va tourner ça mercredi, donc demain pour Twitch. Et puis le vendredi, il y aura toujours un petit peu le foutoir le vendredi. Ça dépendra de moi, ça dépendra de ce que j'aurai envie de faire. Et puis voilà. C'est là-dessus donc que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.